Salut les Costard fans, aujourd'hui on est à Walibi Belgique, je suis super bien accompagné parce que je suis en compagnie de mon meilleur ami et de toute sa petite famille. Et là pour le coup il y a un petit bout de chou de 8 ans, ça va être génial, il avait préparé son truc. Voilà évidemment il y a Cyril aussi, Eugène qui est avec nous bien sûr, et... Qu'est-ce qu'il a lui? Non mais voilà, mais c'est pas possible, je peux pas travailler normalement, dans ces conditions c'est pas normal. Voilà. Et cette intro est déjà beaucoup trop longue, je vous laisse là-dessus, c'est parti générique, go! Il est au taquet, il me reprend le cobra tout de suite. Ah ouais, mais pas des... Ah, il tape un peu, le chien. Il veut s'en mettre plein la gueule, le petit. Oh, 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 oh. Piano, piano, hein. On va enchaîner autre chose, va. Je crois, en fait, il est pire, en fait. Il veut s'en mettre plein la tronche. Voilà, et donc là on est au moment, à l'instant T, où c'est la première de Nathan. T'es content? T'en peux plus? T'es impatient? Ouais. T'es prêt? Ouais. C'est un vrai petit costard fan en herbe, je suis fan. Non. Et Nathan, je vous mets une petite vidéo pendant qu'on fait le lift. Ça fait 50 jours. Mardi soir, la petite famille est en train de jouer. C'est... Voilà. Il fait tout un scénario, il regarde pas la caméra, il fait son timide. Oh là là. On refait. Hein. Non, on la refait. T'as dit mardi soir, on est lundi soir. Oh, on est lundi. Ah oui, non, on est lundi soir. Voilà, on est lundi soir. On est à 5 jours de Walibi. 5 jours et. Depuis 50 jours, il attend. Depuis 50 jours, il attend que ça. Pourquoi t'attends depuis 50 jours? Parce que tu fais pas 1 mètre. 30, voilà. Et il a fait son petit calendrier là. Ça, c'est trop mignon, quoi. Non, là, depuis 50 jours, il a démarré. Il reste 5 jours. Tomber là. Non, tu tomberas pas. Ah, tu vas tomber, oui. Hein? Tu vas tomber? Non, tu vas pas tomber. Ah ouais? Nathan, c'est le Brésil! C'est une balade pour lui. C'est une balade. Sans les mains. Ouais. Oh, il a lâché. Oh, il a lâché. Ouais. Ouais. Alors, t'es content? Ouais. Tu veux le refaire? Ouais. Ouais. Hein? Tu veux le refaire tout de suite? Ouais. Ah bah on peut. Voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'on a un coaster fan en herbe, il est au taquet. J'adore. La première descente, elle vient. Je vais lever les mains là.
Monsieur Love, voilà, vous voyez, il a 8 ans. 8 ans, il est déjà au taquet comme ça. Moi, à cet âge-là, j'aurais été en panique. Moi, je restais accroché pendant un bon moment. J'étais pas prêt au début, moi. Donc, le Conda, c'est vraiment l'attraction du parc. Hein. C'est vraiment le... Moi, je trouve vraiment sympa. Ce qui me plaît dans cette attraction, c'est qu'il y a le bon airtime. Le côté intéressant que je trouve dans cette attraction, c'est d'avoir donné cette illusion qu'on amorce une inversion, alors qu'en fait, on ne la fait jamais. Et ça, c'est un petit côté sympa. Du coup, on fait vraiment du gauche-droite. C'est assez cool. Pour ces raisons-là, moi, j'aime bien cette attraction. Et là, nous rentrons dans Challenge of Toucan Camel. Avec les garçons. Tu vas pas réussir à les battre, hein, leur sport, je pense. Ah ouais? Tu dois pas battre une chance. Je suis pas bon non plus, moi. Ah ouais? Ouais, je suis pas bon. Tu m'as pas dit que c'est là qu'on peut avoir une salle cachée, c'est pas dans celui-là? Oui, il faut atteindre un certain score, et à partir de là, ça te débloque une scène finale. Ça fait longtemps, je l'ai vécu qu'une fois, ça. Ouais, c'est le total wagon. C'est le score total du wagon. Ouais. Ok, on va y aller. Double gun, les amis. Ok. Je vais en prendre 15, je serai meilleur. Ça c'est trop joli ça. Non, non, il a toujours été comme ça. Oh, il est rincé, le mec. Ah, donc Nathan, il va tout au boulot. Ah, il est rincé. Ouais. Non, il est rincé. Ah, je suis pas d'accord. Ah, j'ai pas pris mon K-Way. Alerte. Je n'ai pas pris mon K-Way. Tu peux en rhume. Je peux encore le prendre. Ah, je peux encore le prendre. Non, c'est mort. Les hommes, il y a la barrière. Ah, putain. Lucas, pour qu'il y ait la blague, il est toujours pas de corps. T'as morflé un peu? Un petit peu! On est pas mal, hein! Ah ouais? Ah oui, mais... Ça va? Ah, j'en ai pas cul! Des communautés costauriennes. Moi, je parlais à la plus belle des communautés sur Instagram. Ah, tu vois? Ouais, c'est des Indiens, des Pakistanais. Ouais. Il a fait des bots, les gars sur les PC. Coaster Lab, les gars, sur YouTube. C'est le belge, le tuning de Belgique. Bah, coucou! La légende raconte qu'il a fait du tuning en Belgique, les gars, c'est vrai. Bien, ah non mais ça y est, regardez, mais ça va. Regardez, je suis pas jaloux, t'inquiète pas. Vas-y, Tom on ride. Voilà. Vous pouvez venir vous abonner, y a pas de problème. Et je suis en train de tourner et je ferai un peu de promo pour ta page aussi. Putain c'est gentil. Max Farron Ride. Voilà, bah, je t'en prie. C'est avec grand plaisir. Moi je plug tous les loulous. Le Cyril, le loulou, le Daxter. Eh ouais les gars, on est là. Eh ouais. C'est beau. C'est quand le prochain meeting? Dis pas si tu veux. Tu vas avoir des problèmes, toi. Faut pas dire. Allez, Max, go. J'allais te faire un saut à la Johnny, mais. On va faire ça avec tout le ride comme ça. Ah bah vas-y si tu veux. Nathan, c'est la Brésil. Max est très heureux. Je suis très heureux aussi. On va se faire matraquer la tronche. Allez, c'est parti. Ah, ça chauffe devant, ça chauffe devant! Vive la stabilisation! Oh, quelle horreur! Ah!
quelle merde. RMC au secours, vraiment. On est content quand ça s'arrête, hein. Ça rentre directement, c'est beau. Un petit tour d'Octopus là. Qu'est-ce qu'on a rigolé là-dedans. Oh là 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 là. Voilà, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, Octopus, donc c'est cette attraction avec la pieuvre, et on avait fait ça donc à la soirée, que je dise pas de bêtises, c'était le meeting, donc c'était le winter pour la partie winter. Le winter en fin de journée, tout était fermé et il n'y avait plus que ça d'ouvert. On s'est fait un tour mémorable là-dedans à hurler comme des enfants et c'était très très sympa. Donc je vous mets la vidéo en fiche si vous voulez la voir. Sans les mains, de toute façon on ne saura pas habiter dans le noir. Stop.
vraiment cette ambiance, c'est un truc de fou. Trop bien. C'est vraiment une super attraction. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est trop courte, certes, mais c'est vraiment, c'est fun. C'est... Il y a cette ambiance. Moi, je l'aime bien, je l'aime bien. La personne qui l'a fabriqué, cette attraction, c'est un gars qui s'appelle Anton Schwarzkopf. Si vous vous intéressez un peu au parc, vous verrez que ce nom-là revient souvent. Parce que ouais, c'est lui qui a commencé à réfléchir, à améliorer les choses. Et ses attractions à lui ont une certaine réputation un peu historique. T'as un bel on-ride ? Ça donne rien. Ça donne rien, ouais. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Dans le Loir, c'est pas fou, ouais. Thomas, là, on fonce vers le combat et on fait que le combat. S'il te plaît. Axe. Et ben voilà. Comme on se recroise. Tu peux plus voir sa gueule, ça y est. Ouais, ça y est, c'est fini. J'ai enlevé tous les miroirs chez moi. L'année dernière, je l'ai trop vu, lui, ça y est. C'est... En train de dire, on va faire Conda, on va faire Conda. Il veut déjà l'enquiller, là. Nous, on a fait les bangers du parc. Vous avez fait les tasses. Vampire. Nous, on a tout fait, sauf le train de l'ironie dans le... J'ai plus de voix. Vous êtes sur Conda, après ? Ouais. Oui, là, maintenant, ouais. Il y a Lucas qui nous a dit 17h. Rendez-vous 17h, le meet-up. 17h, il y a un meet-up ? Ouais, au Conda pour qu'on le fasse tous ensemble. Ouais, rapidos. Oui, on va le faire le Conda. Vas-y, à 17h à Conda, les loulous, alors. Ça marche. C'est ça, on va chenrailler. On irait pas faire le train de la mine. Ah putain, il va pas me lâcher avec son train de la mine. Non, mais il y a une nouveauté. Banker. C'est un water coaster, c'est vrai ? Mets-toi à droite, mets-toi à droite. Ils ont mis la fontaine, là, bam. Tu t'en prends dans la gueule, c'est bon ? Il y a plus la cascade, par contre, cherche l'erreur. Bon, allez, à tout à l'heure. Non. Bon, on fait un train de la mine alors, on met tout le monde d'accord. Attends, si, comme t'as ça, pas envie de faire le train de la mine ? Comme ça après on en parle plus. T'attends devant alors ? Eh, si, moi je te regarde, on fait le train de la mine. Comme ça on sort et on refait une tour avant d'aller au combat. On fait une tour. C'est bien ça, non ? Ok, parlons un peu du Psyché. Psyché, donc c'est une attraction que j'aime énormément. Pour son ambiance thématique. Et je suis un petit peu tristounet quand même, que ce soit la dernière fois que ce soit en Psyché. Parce que voilà, je l'affectionne. Vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis un mec assez électro, et c'est tout à fait le genre d'ambiance qui me convient. Je ne sais pas ce qu'ils feront à la place quand ils vont le ramener à nouveau en turbine. L'attraction, elle est sympa. Ça reste, mine de rien, une petite pièce de musée, parce que ça reste du Anton. Quelle aventure! Ah, on est un peu fou avec l'équipe, faut pas faire attention. Non mais c'est bien. Oui. Oui, non. Ce que vous voyez là, c'est le chantier de la future attraction sur Family Coaster, voilà, Speedboat. Merci Cyril pour l'info. Et on est vraiment impatients de découvrir ça pour l'année prochaine. Et on a un joli départ de Conda en même temps, c'est magique. J'aime bien la tour, on a une belle vue, mais j'aime pas quand ça lâche. Parce que ça lâche. Attends ! Oh là là ! Nathan, t'es prêt ? Ouais. Je sais pas si je cadre bien, mais on s'en fout. 3, 2, 1, sans les mains. Sans les mains, attends. Ah. Allez mon Flo. Ça va, ça va. T'es confiant, t'es serein. Allez, encore. Allez. Au pire tu me regardes. Non mais non. Regarde-moi. Voilà. Un coucou. Un copain. Un copain. Je veux plus. Ah, regarde le combat. Hey, il est beau de là. Ouvre les yeux. C'est comment ? C'est la souffrance. Là non, là je suis
c'est la fille plus courageuse que le papa. Ah ouais, non mais oui. Je supporte pas. Oh Flo, Flo. Alors je pense qu'on aura ta tête aussi en partie. Hein. Ah ouais. Parce que j'ai filmé le petit. Pourquoi il reste autant de temps là-haut, mais dépêche-toi. Dépêche-toi de lâcher le crochet. Bon alors débat. Débat, allons-y. Hein? Meilleure attraction du parc? Ouais. C'est Honda. Honda. T'attends. Lui va dire vampire. Non, Cobra aussi. Non, Cobra, Cobra, Cobra. Cobra, c'est la meilleure. Non. C'est Honda. Ouais, c'est Honda. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein, voilà, vous avez un petit peu les avis. C'est la plus fluide. C'est vraiment voilà, on est sur quelque chose de nouvelle génération. Donc tout de suite, ça aide. Ça aide, ça envoie. Voilà, on a rencontré plein de coaster fans pendant la journée. Et voilà, ça donne ça. Et ça se donne rendez-vous à 17h pour un petit tour de Honda et un petit peu le chain ride. Et là, ça va être vraiment sympa, voilà. S'il vous plaît, on est combien? Faut qu'on se compte. Je veux voir la tête de l'opérateur, vous êtes combien? Jamie 38. Mais on dit qu'on est combien? Bah, tu dis... Dis 38. À peu près. Voilà. Voilà. Ah, tu comptes? Ah, il compte. Ah, il compte. Vas-y, je reste avec toi, je compte. On est 35. On est 35. Ouais. Eh oui, bah oui, c'est important. Tu filmes la tête de l'OP? Ah ouais, je filme la tête. Ah ouais, ouais, je l'ai annoncé 35. C'est lui qui va le dire en plus. Ah oui? Ouais, il veut le dire, le toi, Nathan. Tu filmes la tête de l'OP? La tête du mec. Non. Ouais. 35. Voilà, on va annoncer. Ah, explique, explique, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer à l'opérateur. C'est qui l'opérateur? C'est qui? C'est un des opérateurs. En fait, un opérateur, c'est une des personnes qui vient vérifier des sièges, tout ça. Donc on va annoncer à un opérateur que l'on est 35. 35 personnes. On va filmer sa tête, on va essayer de voir s'il bug ou pas, est-ce qu'il se gratte la tête, ou alors est-ce qu'il s'en fout, on va voir. Tu parles bien fort, hein, qu'on t'entend dans la caméra. Ouais. Bonjour. Vous êtes combien? 35. C'est beaucoup ça. Et non, c'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, on est 35. Très bien, tu pourras en mettre 24. Oui, bah oui. On va le faire en deux fois, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va bien se passer. On a 24 et on parfait. Bah là, c'est nickel. C'est gentil. On se met à deux. Mais écoutez, allez-y. Eh bah, la première en attend. Ouais, allez. 35, c'est pas une blague. T'as vu comment il a bugué? Ah. Ah. Kiki, kiki. Ouais. Ouais. Hey, 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 hey. Ah oui, d'accord. Bon bah, on a perdu Max. Il est mort. Il est parti en vrille. Oh,
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, le pouce en l'air toujours. Et puis bah bilan de la journée, bilan du parc. Vous avez vu les notes de coaster. Vous avez vu un petit peu l'ambiance qui règne, notamment le premier jour d'ouverture à Walibi. Donc c'est toujours assez calme. J'ai rarement vu le parc. Je crois qu'au maximum j'ai dû avoir 40 minutes un jour où il y avait un grand soleil magnifique. Et c'était pas le cas aujourd'hui. Donc pour le coup, voilà, ça reste des journées qui sont très appréciables. Et des journées comme ça, on en redemande vraiment souvent. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est juste, hein. Ah là là, ouais, ça va. Il est comme un fou, le petit. Allez, c'est parti! On va attendre les autres parce qu'en fait, il y a une tour qui nous doit monter le moins vite. Ouais, ouais. T'as encore un plan là.